Diana Bouli, sélectionnée en Côte d'Ivoire comme influenceuse pour représenter la CAN. Les influenceurs et les influenceuses veulent seulement mourir. Diana Bouli, la Camerounaise devenue ivoirienne. Avant de vous donner mon point de vue, les gars, écoutez un peu cet extrait et je vous prends après. Vous pouvez vous foutre de la jeunesse ivoirienne comme ça? On dit à la CAN en Côte d'Ivoire, vous devez donner tout ce qui est comme marché de la CAN à les influenceurs ivoiriens. Ils vont passer sur le plan international parler de ça. Non, voilà, c'est écouté partout. Vous partez prendre les influenceurs des pays étrangers comme Diana Mouli ou bien Diana Mouli. Quand il y avait la CAN au Cameroun, là, ils ont pris quel influenceur ivoirien comme un truc là-bas, ambassadeur ou ambassadrice là-bas. Diana Mouli a pris de visibilité que Ariane Céleste Moi. Diana Mouli a pris de visibilité que Kwaja Amonchik. Diana Mouli a pris de visibilité que Apoutu National. Diana Mouli a pris de visibilité que qui en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi c'est les gens que vous sélectionnez? Nous, vous nous laissez. Parce que vous avez eu un problème avec les gens d'en faire des drogues ou quoi là. Vous mettez ça en même temps dans la haine. Vous êtes contre les influenceurs ivoiriens, c'est pourquoi? C'est un truc qui se passe chez nous, c'est national. Vous dites l'amour pour la jeunesse, l'amour pour la jeunesse, vous n'aimez même pas la jeunesse. On a combien d'influenceurs en Côte d'Ivoire qui sont suivis? Allez sur nos différentes pages, vous allez voir. Une journée, on fait des millions de vues, nous aussi. Tu vas lire ton nom, mon frère. On ne pleure pas. Pourquoi ça vous fait aussi mal, les gars? Cette vidéo n'est pas pour soutenir Diana Bouli. Hein? Jamais. Parce qu'il ne veut jamais soutenir Diana Bouli. Il ne peut pas soutenir ou encourager quelqu'un qui a régné mon pays, qui a insulté mon pays. Je veux juste attirer l'attention de certains Ivoiriens. Quand Diana Bouli était partie du Cameroun, ouais, il disait que vraiment le Cameroun n'ouvre pas, ne donne pas les opportunités et tout le reste, elle avait parfaitement raison. Sauf que moi, je n'avais pas aimé le fait qu'elle a insulté le 237. Elle pouvait partir tout simplement, rester dans son silence. Mais moi, j'étais surpris qu'elle arrive en Côte d'Ivoire, elle raconte tout ce qu'elle a raconté. Aujourd'hui, vous citez les Apoutou, les Emma Loïs, les Coach Amonchik et tout le reste que vous avez cité. Que pourquoi on a laissé tous ces gens? Parce que Diana Bouli n'est pas aussi populaire ou influenceuse ou bien, je ne sais pas, n'a pas de vue que ces gens que vous avez cités là. Quand Diana Bouli est arrivée chez vous, qui a fait la vidéo qu'elle a insulté le Cameroun? Qui de vous? De ces influenceurs que vous avez cités, que normalement on devait les sélectionner pour la CAN. Qui a fait la vidéo pour dire à Diana Bouli que non, ma chérie, tu as faux? Qui? Qui? Vous étiez tous contents. Le fait qu'elle a quitté le 237 pour venir en Côte d'Ivoire, non? Je ne sais même pas si elle a amené à construire là-bas chez vous, je ne sais pas. Même si elle loue, ou c'est une chambre, ou c'est un studio, ou c'est un appartement. Donc tout ce que Diana Bouli travaille maintenant là, c'est chez vous qu'elle investit, qu'elle dépense. Nutrition, c'est dans vos restaurants. Loyer, habillement, tout, c'est chez vous. Elle est venue s'inscrire même dans votre école. Personne n'a dit que non, tu n'as pas le droit de t'inscrire dans notre école. Tu es camerounaise. Aujourd'hui, elle est sélectionnée pour la CAN. Vous bavardez. Que non, ça, c'est anormal. Qu'est-ce qui est anormal? On parle de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas la CAN ivoirienne. C'est la Coupe d'Afrique. Et Diana Bouli est africaine. Est-ce que ça passe bien dans vos tympans là? Rappelez-vous une année, je crois que c'était l'année que le Cameroun a organisé la CAN. À Olembe, à l'ouverture, si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas seulement, Fally Ipupa était à l'ouverture, le Congolais. Ça fait mouche, si je ne me trompe pas, bien sûr. Ça fait mouche! Les gens ont parlé, les gens ont dit ceci et cela. On a laissé les Stanley et nous. On a laissé les tel artiste pour prendre Fally Ipupa avec tous les grands artistes qu'on a au pays. Les gens ont parlé qu'il n'était pas camerounais. Pourtant, il était africain. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis parfaitement d'accord que normalement, tous ces grands influenceurs que vous avez cités là devaient faire partie des influenceurs qui devaient représenter la Côte d'Ivoire à la CAN. Je suis parfaitement d'accord et c'est tout à fait normal. Mais je vous dis ici chaque jour que c'est du business.
c'est du business. On va vous expliquer ça combien de fois. C'est des relations. On ne te sélectionne pas parce que tu es trop populaire ou bien parce que tu es trop suivi que qui que ce soit. Non. Comprenez juste ça. On a des Capucho, on l'a mis de côté parce qu'il avait soutenu, Didier Drogba pendant. Donc, aujourd'hui, on te met de côté Apucho parce que comme tu avais soutenu Didier Drogba pendant vos élections où c'est la FECA quoi, il voit là. On dit que non. Tu ne peux pas être influenceur de la carte. J'ai ton retour tranquillement, mon frère. Si c'est Didier Drogba qui était président, n'est-ce pas, toi, tu devais être à la tête. C'est toi qui devais même sélectionner les influenceurs qui devaient représenter la CAN chez vous, non? Mais mon frère, acceptez alors aussi trois fois la défaite, non? Ton candidat a l'os. Mais tu penses que l'adversaire que tu avais régné va aussi... Si c'est toi, même si c'est toi. Bon, avant de vous plaindre, c'est vrai que c'est un match de foot. Et qui parle foot parle du fair play. Mais mon frère, le fair play là ne passe pas partout. On a même vu au stade les gars qui, dès qu'ils perdent le match, on a vu les joueurs taper même sur les arbitres. Donc, mon frère, vous là, vous allez sauf qu'accepter Diana Boli. Ça va vous choquer comme ça va vous choquer là. Mais vous allez accepter ça. Vous n'avez pas le choix. Diana Boli, vous avez applaudi Diana Boli, qu'elle est ivoirienne, non? Gérer. Vous comprenez? Gérer. C'est au général Franco. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.